Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Ce matin, j'ai reçu, j'essaie de pas vous montrer, là, un petit colis. Du coup, je ne savais pas c'était quoi parce qu'elle est petite cette fois-ci. Du coup, j'ai été curieuse, j'ai ouvert et j'ai vu que c'était la Wookbox du mois de mars. Et voilà. Du coup, je l'ouvre. Hop. En tout cas, elle est très belle. Et ce thème, c'était duel. Duel. Voilà le petit formulaire. Et c'est bien le mars 2021. Du coup, on le met là. Ah, il est là. J'ai le petit pins KO duel. C'est plutôt logique, le KO. Voilà, vous avez le K. Enfin, il est bien mis KO. Je sais pas si ça vient de quelques. J'ai les poils en plus de mes animaux. En fait, il doit se mettre comme ça parce qu'il a des petits points. Il n'avait pas fait des petits points. Le KO. Oui. Après, ceci, c'est quoi? C'est un Yu-Gi-Oh! Game Playquent. Ça peut bien se vendre, je pense. Du coup, c'est une pièce Yu-Gi-Oh! Qui va finir sur Vinted à la vente. Je ne suis pas fan du tout de Yu-Gi-Oh! Pièce de collection sous licence officielle. Ce produit n'est pas un jouet pour décorer uniquement. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Le détail. Enfin, cette box n'est pas trop fort. J'essaie d'attraper l'autre chose avant de commencer par les figurines. Là, c'est Star Wars. Bon, vous voyez, Star Wars. Ça, je verrai si quelqu'un le veut aussi. C'est des patchs. Rico patch. Il y a 400 modèles. Je vais essayer de le décoller sans hop, tout casser. Ce serait bien. Bien sûr. Il se recolle. Est-ce que je peux l'avoir sans tout casser? Ouais, c'est ça. C'est moi qui avais d'autres choses. Du coup, voici, ça ressemble à ceci. Et vous collez sur les vestes de vos. Voilà, toutes vos vestes. Et il y en a 14, si j'ai bien vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a d'autres dedans. Ouais, il y a même l'explication comment faire. Mais moi, ça, je vais pas l'abîmer plus parce que je ne pense pas l'utiliser. Voilà. Après, il nous reste deux choses. Je vais vous montrer la figurine. Oh putain de merde, ça j'avais pas vu par contre. Oh la cube. Du coup, c'est une pop de Piccolo Dragon Ball. Voilà, j'ai la boîte un peu abîmée, ça me fait chier. Pour les collectionneurs, voilà, je ne vais pas la déballer, même si, je sais pas si vous voyez, mais elle est toute ondulée là. Là, la boîte, elle est pétée. Voilà, ça me fait chier. Essayez de la remettre pour que elle se remette un petit peu, peut-être bien. Ça pourrait peut-être marcher. Il faudrait que je voie. Mais elle va partir aussi à l'avant. La dernière chose, c'est ceci. Mais je voulais faire un truc parce que la box, elle est trop belle. C'est Gulper à fond dans la box. Ah, vous l'avez peut-être aperçu. Elle est toute petite par contre cette box. D'habitude on a des grandes. Non, l'inverse. Refaire sa box, c'est chaud de faire. Oh.
C'est pas celle que monsieur va garder en tout cas. Parce que souvent il les garde pour mettre ses cartes Pokémon. Bon, enfin, soit vous allez la voir. Je sais pas ce qui est marqué dessus par contre. Je ne sais pas. Moi et l'anglais, je vous le dis, c'est deux. Elle est toute savonneuse, comme ça. Toute rose, tous les côtés. Hop. On voit la mousse. Voilà. Voilà, je sais pas le mettre. Mais vous voyez bien, voilà. Et du coup, j'aurais fait tomber le t-shirt. J'ai eu le t-shirt. Je ne connais pas la référence, par contre. Qui connaît la référence de ce t-shirt ? Molody. Du coup, c'est marqué quoi ? Petit club. Finger club. Je connais pas. Pas du tout. Il est noir, comme vous pouvez voir. Noir et rose. Comme la box. En fait, c'est le t-shirt de la box, en fait. Bon, je suppose que c'est pas mon chéri qui va le mettre. Ce sera moi, bien sûr. On dirait que je vais faire pyjama avec. Voilà, j'essaie de vous montrer bien le dessin. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait, pourrait me faire la ref. Du coup, on va quand même regarder le petit formulaire. Le petit formulaire que je voulais dire. Voilà. Il y avait des belles choses à gagner. Il y avait la Switch Pokémon à gagner. Ce mois-ci, du coup, la figurine, il y en avait plusieurs à l'affiche, mais moi j'ai eu celle-ci. À 15,99€, abîmée, elle ne vaut plus ce prix-là. Le t-shirt vaut 20€. Règle numéro 1, Fingle Club, est interdit de parler à Fingle Club. Règle numéro 2, il est interdit de parler de ce nom-là, Fingle. Règle 3, Fingle, il est indispensable de porter ce t-shirt au club. Alors, pièce de collection, c'est l'heure du duel. C'est marqué comme ça, du duel. Tel un vrai collection. Ouais, voilà. Les packs, je vous ai pas dit la petite... du coup, j'ai déposé là, je crois. La petite pièce, elle vaut 10 balles. Je vais essayer. Le truc de machin-ci vaut 9€. Et le pins, c'est toujours 5€. Le KO. Voilà. Et le t-shirt, je vous l'ai dit, 20. Voilà. Logiquement, je dois arrêter cette box, mais je n'arrive pas à l'arrêter. Du coup, il faut que je me regarde encore une fois. Je vais peut-être faire ça après, mais je voulais plonger dans mon livre, là. Je ne sais pas. Bon, sur ce, ben, voilà pour ce petit unboxing de la Wook Box. Pas mon top. Aucune préférence, à part le t-shirt qui est girly. Je ne connais pas la ref, mais si vous l'avez, vous pouvez me le mettre. J'ai aucun truc que j'aime bien, c'est pour ça que je veux l'arrêter, parce que la plupart des choses, je ne connais plus, je connais pas. Ça m'ennuie. Avant, on avait un peu plus de trucs avec Harry Potter, Disney, mais maintenant, on va vraiment dans tout ce qui est truc plus bizarre pour moi, on va dire. Je ne suis pas fan du tout du Logio, de Dragon Ball Z. De Star Wars, on a déjà eu du Star Wars il n'y a pas très longtemps, en plus il n'y a plus que ça. Du coup, sur ce, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Jusqu'ici, normalement il va avoir le rond avec la petite flèche clochette, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, et n'oubliez pas la petite cloche pour appuyer dessus et la mettre à chaque fois que je sors d'une vidéo, vous serez au courant à l'heure, et voilà. Bon, j'espère que tout ça, voilà, je ne sais plus quoi dire, je suis fatiguée. Je vous fais des gros bisous, je pense à mon livre, du coup je vais aller bouquiner, et je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.